Bonjour, je suis Xavier Chauveau, le responsable développement France des véhicules électriques. Je vous présente aujourd'hui la gamme Hiseki MT. Ce sont des véhicules électriques homologués sur la route, catégorie N1, destinés aux collectivités, aux municipalités et pour les espaces verts. Le modèle que je vous présente actuellement, c'est le MT15N version combo, mais il existe différentes configurations possibles de ce véhicule. La version combo que je vous présente actuellement, à savoir un coffre, et une benne courte. La benne courte fait 1,70 m de long, 1,45 m de large, 1,20 m de haut, avec une charge utile de 725 kg. La version benne longue, qui elle fait 2,15 m de long, 1,45 m de large et 1,20 m de haut. Et enfin la version benne ordure ménagère, qui supporte une charge utile de 515 kg, équipée du lève-conteneur. Tous les véhicules Hiseki sont équipés de suspensions à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs, ainsi que freins à disque avant et arrière. Ce véhicule est équipé d'un moteur qui fait 12,5 kW et d'une batterie de 14,4 kWh, ce qui lui donne une autonomie de 132 km en cycle WLTP. Cette batterie se recharge simplement sur une prise domestique, c'est-à-dire une prise 230 volts, 16 ampères, comme on a tous chez soi. Le chargeur est intégré au véhicule sur un des coffres de rangement, côté gauche, côté conducteur. Ces véhicules sont équipés d'un système de récupération d'énergie à la décélération et au freinage. Ce véhicule est aussi équipé d'un système de diagnostic à distance et de connexion 4G. Chaque utilisateur a la possibilité de créer un compte sur une interface web, et sur cette interface, l'utilisateur peut avoir accès aux vues éclatées du véhicule, à la géolocalisation s'il le souhaite, mais aussi au temps restant, l'autonomie restante du véhicule, ainsi que la configuration d'origine usine. Ce véhicule, donc, avec sa benne, a les dimensions suivantes: 3,63 m de long, 1,39 m de large, 1,99 m de haut. Le MT15N est équipé d'une cabine donc spacieuse, confortable, avec deux sièges équipés de ceintures de sécurité intégrées, mais aussi un appui-tête. On retrouve à l'intérieur de la cabine une caméra de recul, écran couleur, un système de double vitesse, c'est-à-dire lièvre et tortue. On peut limiter le véhicule à 30 km/h pour les zones piétonnes, par exemple, mais également un buzzer piéton pour prévenir la population, prévenir les passants devant le véhicule. On a également une aide de démarrage en côte. Il suffit de l'enclencher, le véhicule ne reculera pas dans les pentes au démarrage. Tout un tas d'options sont possibles sur catalogue, en plus des versions déjà très équipées de chez Hiseki. En plus de la version MT15N que je vous présente actuellement, Hiseki a le plaisir de lancer la version MT15X. C'est la même base que le MT15N, la même autonomie, mais avec un châssis rallongé de 53 cm, permettant d'avoir des structures allant jusqu'à 2,70 m de long. Et enfin, pour répondre à toutes les demandes, Hiseki vous présente le MT8N, un véhicule équipé d'une batterie de 8 kW et une autonomie de 60 km.